T'as pas été informé par ce livre-là? Après, il y a des structures de séminaires qui sont très bien. Ouais, bah moi, à l'époque où j'y étais, je n'ai pas trouvé. Mais bon, je connaissais à peu près les mecs qui étaient. Alors, déjà? Ah ben déjà, oui, ben, maintenant on est bien reçu au commissariat. Rapide, disons. Oui. Bien sûr. Ben donc c'est la procédure d'assignation à résidence. Donc il faut qu'ils se présentent une fois par semaine. Donc on a pris le rythme du samedi. Donc ça fait suite à cette OQTF que cette famille a reçue il y a un peu moins de deux semaines, malgré un dossier solide, très très solide. Je pense qu'une des preuves, c'est que vous êtes là et que vous en êtes convaincus. On n'a pas réussi à convaincre le préfet, malheureusement, bien qu'ils aient obtenu le soutien du député. On a reçu hier la réponse qui a été faite par le préfet au député qui était intervenu directement. Et malheureusement, le préfet, après un nouvel examen approfondi, répond au député qui ne change pas d'avis. Donc aujourd'hui, il ne nous reste plus que deux voies, celle de la mobilisation et celle du juridique. Donc la décision de l'OQTF. Des OQTF, eh bien, a bien été contestée. Malheureusement, les délais d'examen par le tribunal administratif sont en moyenne de 6 mois. Donc, pendant 6 mois, donc ils sont, comme le recours suspend la décision, ils n'ont pas une inquiétude majeure à avoir. C'est ce qui nous a été redit. Enfin, mais c'est une attente interminable qu'on aimera bien raccourcir. Donc on ne baisse pas les bras, on va réintervenir auprès de la préfecture pour faire entendre que l'examen n'a pas été approfondi du tout. Je prends un des points des motivations qui sont contenues dans les OQTF, quand ils disent qu'ils n'ont pas d'attache véritablement en France. On démontre aujourd'hui qu'ils en ont. D'autant que monsieur a pratiquement toute sa famille en situation régulière en France. Ouais, c'est incompréhensible. C'est malheureusement l'État français qui, au fil des années, a durci considérablement l'accès au séjour en France pour des familles qui ont fait le choix juste d'y résider. Voilà, donc j'ai pas forcément grand chose d'autre à vous dire que de vous remercier de votre chaleureuse présence, ça fait du bien, mais surtout à cette famille qui le mérite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour tout le monde. Merci à vous. Bon courage à vous. Merci.